Voilà, je suis Irène, je viens d'Ilkirch. Vous avez choisi de venir aujourd'hui à la prière de Thésée. C'est la première fois que vous participez à une prière de Thésée ? Non, c'est la deuxième fois. Je suis venue hier soir déjà avec mon époux. Et dans quel état d'esprit êtes-vous en sortant de cette prière ? Je me sens très bien, je me sens en paix. Lorsque vous voyez toute cette jeunesse provenant de nombreux pays européens, majoritairement des pays de l'Est, quelles questions est-ce que ça vous pose ? Bon, c'est quelque chose de très positif parce que c'est de l'espérance aussi et croire en la jeunesse aussi. Vous avez des enfants vous-même ? Oui, j'ai deux enfants. Il y avait mon fils qui était là aussi. Et vous, c'est vous qui leur avez proposé de venir ou c'est eux qui vous ont proposé de venir ? Mais mon fils était déjà à Thésée deux fois, et donc il m'a dit « Ah, ça va être bien et tout, je me réjouis. » Et donc, il m'a... Et alors je me suis dit « Ah, ça doit être bien si lui, il y va. » Donc je veux aussi y aller. Vous appartenez à quelle église ? À l'église catholique. Quand vous voyez toute cette jeunesse présente aujourd'hui si nombreuse, et quand on regarde les assemblées dominicales de nos paroisses catholiques, ouais, qu'est-ce qu'on peut ressentir ? Parce qu'on est parfois un peu déçus dans les églises parce qu'on trouve que c'est que pour les vieux. Et là, on voit la jeunesse et ça donne vraiment un coup de jeunesse à l'église catholique aussi, à toutes les églises protestantes, puisque c'est œcuménique. Et je trouve ça super bien que ce soit œcuménique. Les souhaits formulés par le frère Aloïs de faire vivre, enfin de venir prier avec les communautés qui existent, montrer davantage ce qui nous unit que ce qui nous sépare, etc. Tout ça, vous y êtes sensible particulièrement ? Oui, à tout ce qu'il a dit déjà hier soir, et je trouvais le texte magnifique, et ce qu'il a dit, toutes les réflexions qui étaient très, 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 très pertinentes. Qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez vécu ici ? Vous allez le partager autour de vous ? J'espère, hein, c'est vraiment... j'ai vraiment envie de le partager et de le faire vivre à d'autres, et que les autres voient aussi que voilà, c'est ce que j'ai vécu. Je vous remercie beaucoup. C'est moi aussi. Merci.